Bonjour les gens, alors aujourd'hui je vais vous présenter entre guillemets, invention. Alors, donc ça c'est pour l'élevage des fourmis. Alors, on peut mettre 4 rennes pour un seul réservoir. Alors donc le réservoir du milieu, celui-là c'est celui que contient l'eau. Ces 4 là, ah désolé je ne maîtrise pas, voilà, ces 4 là, c'est là où seront mises les rennes fourmis. Alors, donc là, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, vous avez le réservoir d'eau et où l'eau passe dans des tuyaux. Et puis, au bout, il y a un coton pour éviter que toute l'eau aille dans le récipient et donc que ça noie la fourmi. Alors, ensuite, donc on fait ça pour les 4. Alors, vous faites des trous pour passer les tubes. Alors, faites attention de ne pas en mettre des trop. Faut faire le plus. Faut que le tuyau soit vraiment serré. Pardon, je ne maîtrise pas du tout, en fait. Faut que le tuyau soit vraiment serré pour éviter les fuites. Alors, moi j'avais une fuite parce qu'en fait j'avais mal fait un trou celui-là là. Donc j'ai mis du scotch, beaucoup de scotch en fait des deux côtés. Et donc voilà. Alors ensuite faut juste mettre les couvercles sur les 4 boîtes, le nourrir de temps à autre et c'est bon. Alors par contre des fois il y a l'eau qui circule pas bien dans les tuyaux. Par exemple là vous voyez il y a des petites bulles d'air. Voilà. Donc ça atterrit pas sur le coton. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. Pour ça, alors on va prendre un peu d'eau avec une pipette. Au moins, elle est complètement pétée. Voilà, donc on le met dans le trou. Tac, on pousse. Et puis on appuie. Hop. Pour faire sortir les bulles. Donc là, ça marche pas, mais il faut le faire une dizaine de fois. Et puis au bout de 10 fois, à peu près, ça marche. Et donc faut faire ça pour les 4, vous mettez le couvercle, et puis là donc si vous avez pas de fuite, bah vous pouvez en avoir pour une bonne dizaine voire vingtaine de jours. Vous pouvez agrandir la taille de ce récipient pour mettre plus de petites boîtes. Mettez pas des trop grosses boîtes pour les rennes des fourmis parce qu'elles aiment pas trop ça. Donc là, la taille, elle est d'environ 7 cm pour les 4 pots. Celui du milieu, celui qui, le réservoir, vous pouvez l'agrandir pour avoir une plus grande capacité. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Et si vous avez des questions, bah, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Ciao.